au sérieux et il va falloir tout donner. De toute façon, c'est une gambardella, c'est une seule fois dans notre vie. On est déterminé. On sait qu'on a fait un gros exploit contre le TFC. Après voilà, on sait que la gambardella c'est que du bonus. C'est un gros match qui fait parler. Tout Toulouse le sait, au lycée ça parle beaucoup. Même les gens qui font pas spécialement du foot, ils le savent. On va être obligé de tout donner. De toute façon, maintenant que tout le monde est au courant du match, c'est 90 minutes. Il faudra tout donner. Faut pas se mettre de pression. Je vais commencer à jouer comme on a pu faire contre le TFC. Dans l'équipe, la plupart des joueurs, je les connais depuis tout petit. Donc sur le terrain, on est des frères, solidaires. On va tout donner pour remporter le match et pourquoi pas se qualifier en 8e de finale. En tant que coach, on essaie justement de ne pas trop différencier la gambardella du championnat parce que notre pain quotidien, on va dire, c'est le championnat, même si effectivement la gambardella elle donne envie, elle donne souvent un supplément dans les séances, un supplément d'âme, un supplément d'envie. Mais nous, en tant que coach, on essaie de dégonfler un peu ça parce que l'objectif principal, et c'est ce qui fait qu'on s'entraîne toute l'année, ça reste quand même le championnat, quoi. Donc on essaie quand même de faire en sorte que ce soit le plus normal possible. Et effectivement, ils ont dû affronter beaucoup plus de matchs que nous pour arriver à ce niveau-là. Et c'est tout à leur honneur. Maintenant, on se retrouve au même tour, au même niveau, forcément. Et du coup, il va s'agir de jouer entre équipes invaincues, parce qu'ils sont invaincus aussi dans leur championnat. Et voilà, et dimanche, il y aura quelqu'un qui va perdre peut-être pour la première fois de la saison. J'espère que ce ne sera pas nous, mais j'ai conscience que ce sera vraiment une opposition de qualité. J'espère qu'on arrivera à marquer l'histoire du club. En tout cas, les joueurs ils ont cette envie-là. Je l'ai aussi. Mais après, voilà, il faut respecter l'adversaire qui aussi a disputé des 16e de finale et qui aussi aura l'envie de jouer un 8e. Mais voilà, on va arriver avec humilité, avec l'envie de bien faire et de mettre surtout les bons ingrédients pour, quoi qu'il en soit, ne pas en avoir de regrets. Le club il a l'habitude donc de cette coupe au Gambardella. Après, le club il est arrivé deux fois dans l'histoire en 16e de finale, en 1994 si je ne me trompe pas, contre l'Olympique de Marseille, et en 1997 contre le FC Sochaux-Montbéliard. C'est la troisième fois que le club donc accède à ces 16e de finale de la coupe Gambardella, et donc tout le club est derrière nos joueurs pour essayer de franchir ce palier des 16e de finale et essayer d'accéder à ce 8e de finale de la Coupe Gambardella. Et on va essayer de les soutenir. Alors c'est un long déplacement, donc tous les dirigeants bien évidemment ne vont pas faire le déplacement en Bretagne, mais on va leur apporter tout notre soutien. Il y a notre ancien président, donc ça c'est un signe qui va faire le déplacement, qui maintenant habite en Bretagne, et donc qui va aller les soutenir, qui va nous tenir au courant et faire quelques photos. Donc c'est un signe aussi qu'on garde des liens avec les gens qui sont passés au club.